Mademoiselle, monsieur. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à cette vente aux enchères exceptionnelles du patrimoine de la ville de Bruxelles. Comme vous le savez, il y a 2 ans, la ville était en proie de graves difficultés financières. Le conseil communal a donc eu l'excellente idée de revendre les boules de l'Atomium. Aujourd'hui, mon assistante va d'ailleurs apparaître pour vous présenter un lot exceptionnel. Après avoir vendu les boules de l'Atomium, la ville de Bruxelles vous propose de racheter les boules du Mannequin Peace. C'est un lot exceptionnel qui n'a jamais servi vu le jeune âge du sujet. Oui, oui, c'est du massif, hein, madame. Vous pouvez... Oui, vous pouvez approcher. Madame voudrait faire une pesée. Les boules du Mannequin Peace. Un lot exceptionnel. Et j'ai un preneur. Oui, monsieur adjugé. Pour monsieur Reinders. Ah. Les testicules du Mannequin Peace à monsieur Reinders. Maintenant, on ne pourra plus dire qu'il n'en avait pas. Mais en vente exceptionnelle, lot exceptionnel. Il faut savoir que la vérité historique renferme parfois des anecdotes assez croustillantes, puisque lorsque l'artiste a voulu réaliser son œuvre, les mœurs de l'époque lui interdisaient de faire poser un enfant entièrement nu. Pour terminer son chef-d'œuvre, il a donc dû réaliser un moulage sur son propre sexe. C'est ce moulage que nous vous proposons aujourd'hui. Bien évidemment, il l'avait réduit au 1/25e pour terminer la statue emblématique de notre belle ville. Vous pouvez peut-être proposer à madame. Je voudrais faire une pesée. Alors, pour le sexe original du mannequin... Non, madame Milke, laissez-moi ouvrir les enchères. Avant de vous manifester. Parce que à lot exceptionnel, condition exceptionnelle. Avec le sexe authentique du Mannequin Peace, nous vous proposons un flacon d'eau bénite recueilli à même le robinet par Sa Majesté la Reine Fabiola en 1964. On a les photos. Et consacré par le cardinal Funès. En plus de ce magnifique flacon d'eau bénite du Mannequin Peace, nous vous proposons une photo dédicacée de l'urologue du Mannequin Peace. En plus de la photo dédicacée de l'urologue du Mannequin Peace, nous vous proposons, et ça c'est exceptionnel, les tout premiers instruments d'entretien du Mannequin Peace pour l'arrière et pour l'avant. Nous vous proposons également une pièce de vêtements de l'innombrable garde-robe du Mannequin Peace, une pièce rarissime, le préservatif qu'il portait à l'occasion de la journée de lutte contre le sida. Malheureusement, nous avions complètement oublié de fermer la canalisation. Ce qui fait que ce préservatif fera sûrement la joie des enfants, puisqu'il s'est directement transformé en bombe à eau. C'est donc le sexe original et authentique du Mannequin Peace que nous vous vendons avec la photo dédicacée de son urologue, le matériel d'entretien, le flacon d'eau bénite, tout ça pour la première personne qui lèvera... Non, madame Milke, attendez, comment c'est bon sang? Car à lot exceptionnel, condition de vente exceptionnelle pour qu'il n'y ait pas surenchère et pas de jaloux, ce sera presque au hasard que nous désignerons l'heureux futur propriétaire de ces magnifiques objets dont la pièce maîtresse est entre les mains de mon assistante. Oui, exceptionnellement, à mon top départ, ce sera la première personne qui aura levé la main, qui sera détentrice de cette pièce historique. Attention, 3, 2, 1, partez. Et c'est monsieur Diroupon qui remporte. J'espère qu'il en fera bon usage.